Jouer un quart de finale à l'extérieur, c'est une bonne chose, car le match retour s'annonce évidemment palpitant. Ambiance de fête dans le stade, de part et d'autre, les supporters donnent de la voix. J'espère que les joueurs seront au tempo. Il garde les cartes en main. Maxwell. Bien joué, l'attaque ne donnera rien. On se contre, il peut mener loin. C'est un bon travail défensif. Ils peuvent construire quelque chose. Va-t-il trouver le bon timing ? Nouvelle occasion de centrer. Le ballon revient au gardien. Le ballon est toujours pour eux. Oh, ce ballon va remonter très vite. Il tente sa chance. Ça passe d'un rien au-dessus. On a vraiment senti ce qu'il voulait faire. Hein. Il avait la force, mais il n'avait quand même pas la précision. Belle intervention du gardien sur ce tir à la terre. Javier Zanetti. Maxwell. Il a mis le pied sur le ballon. Le ballon passe au-dessus, c'est bien trop haut. Quel boulet de canon, ça aurait pu donner du spectaculaire. Hein. Mais en général, ça manque de précision ce genre de frappe. Ibrahimovic. La frappe est décochée. C'est pas un tir mauvais, mais c'est pas vraiment cadré. C'était bien fait, il a tout enchaîné comme il fallait, il a frappé, il a simplement manqué le cadre. Ibrahimovic. Ils peuvent construire quelque chose. Cambiasso. Ils reprennent le ballon. Attention le défenseur, il faut revenir. Va-t-il la mettre au fond des filets ? But ! Très bonne entame de match, c'est toujours important de marquer au début. Là, Christian, je ne sais pas s'il a fait exprès ou s'il a poussé trop loin son ballon. Mais en tout cas, ça a été efficace. On ira quand même mener notre enquête à la fin de la rencontre. Il réalise vraiment un super tournoi. Il a marqué 4 buts. Imaginez la joie de l'entraîneur.
Ils ont pris de l'avance 1-0. Ah là, ça va rassurer l'équipe et réjouir l'entraîneur. Il y a un peu la différence, je ne serais pas surpris qu'il continue d'attaquer et d'essayer d'en marquer un second. C'est le bon moment. Il décoche une frappe. Beaucoup trop loin du montant gauche. Il avait le temps de mieux faire sur ce coup-là. Je crois qu'il y a eu trop de précipitation dans son geste. Il reprend le ballon. Pour Javier Zanetti. Bien joué. Attention, il peut marquer. Encore une belle occasion. Le portier le laisse échapper. Le gardien l'a détourné en corner. Ce ballon est bien haut. Super belle interception. Est-ce qu'il peut frapper? Belle tentative, dommage. Mais elle n'est pas assez précise. Il m'avait dit avant la rencontre, aujourd'hui tu vas voir que j'ai les deux pieds. Va-t-il marquer? Quelle frappe! Maxwell. Ils peuvent construire quelque chose. Il n'a peur de rien. Incroyable, c'est le deuxième but. Deux réalisations en moins de 5 minutes. Mais Christian, il paraît que toucher du doigt, ça porte bonheur. Là, avec ce but, il n'a pas fait mentir le proverbe. Écoutez la réaction du public. Les supporters sont super déçus. Et ils le font savoir. Le break est fait, 2-0. Bon, c'est sûr, ils ont augmenté leur avance. Vous connaissez l'entraîneur, je peux vous dire. Je doute qu'il veuille ralentir la cadence. Il voudra qu'ils continuent, qu'ils appuient, qu'ils continuent à attaquer. Que les attaquants fassent leur boulot et mettent l'adversaire en déroute. Il va prendre sa chance. C'est dommage, il faut rester concentré pour viser le cadre. Et là, la défense, elle était quand même un petit peu endormie sur le coup. Ils ont laissé décocher son tir, ils l'ont laissé un petit peu faire. C'est dommage qu'il n'ait pas mieux cadré quand même. Très bon de la tête. Nous avons atteint la 15e minute de la première mi-temps. Le meilleur moyen de ne pas encaisser un but, c'est de garder le ballon. Cambiasso. Maxwell. C'est malin. Encore une occasion de centrer. Attention, énorme danger. Ils peuvent construire quelque chose. Ne jamais oublier de jouer le ballon, pas le joueur. Hey, Ibrahimovic. Dans la surface de réparation. Le danger est écarté. Attention, c'est parti très vite. Il ne peut pas la rater.
C'est un début de match exceptionnel, le troisième but. Il a eu raison de mettre le pivot dans la finition. C'est le geste parfait, c'est ce qu'il va le faire. Il a eu raison de ne pas hésiter. Ils sont vraiment agréables à voir jouer, et dans la construction et dans la finition, l'avance est confortable. Trois buts à rien, c'est du bon boulot. Ah là, ils sont complètement en train de se balader. Les occasions en veux-tu en voilà. Là, ils semblent concentrés, les affaires sont faites. Le seul danger, c'est d'être trop confiant. Avec cette équipe-là, à mon avis, ça ne risque pas d'arriver. Le goal sort et capte le ballon. Ils ont toujours le ballon. Joli mouvement, c'est des belles combinaisons, c'est bien, il faut continuer. Ils ont le contrôle total du match et c'est impressionnant, belle preuve de confiance. Ibrahimovic. Samuel. Le déclic, ce serait un but mais ça ne vient pas, il faut vraiment du mordant chez les attaquants. Une occasion en or sur ce ballon volé. Ils gardent la maîtrise du jeu et poursuivent leur attaque. En plein dans le mille. Imaginez la joie du buteur. Ce but vient vraiment récompenser ses efforts. Et avant même de recevoir le ballon, il savait où il allait le mettre avec son pied droit. 5 buts dans ce tournoi. Il est en train de devenir peut-être l'un des meilleurs buteurs de la compétition. C'est un joueur à suivre. Il y a 2 buts d'écart maintenant. C'est peut-être pas le bon moment idéal pour caisser un but, mais ils ont quand même leurs 2 buts d'avance. Mais il faut faire attention à ce genre de match. Ils doivent rester fermes au moins jusqu'au repos. Que va-t-il faire? Il va marquer. Dégagement des points, corner. Ballon travaillé vers la cage. Que va-t-il faire maintenant? Ibrahimovic. But! Quelle rencontre de folie! On assiste à une cascade de buts. Le score est de 3-2, un but d'écart, c'est pas beaucoup. Ça, c'est vraiment du bon football. Le ballon circule bien, au sol ou dans le domaine aérien. En face, ils sont perdus. Encore une occasion de centrer. Oh, ça va vite! Bien joué ici. Samuel. En jeu, aucun doute là-dessus. Attention, c'est parti à 2000 à l'heure.
Et c'est dedans. Cette fois, ils font vraiment la différence. Connaissant ses qualités, dès qu'il a reçu le ballon dans cette position, on savait que le fil allait trembler et que le gardien allait pleurer. Il s'agit de sa deuxième réalisation aujourd'hui. Franchement, il est en pleine confiance, surtout devant le but. Deux, l'avance est encore significative. Figo. Nouvelle occasion de centrer. Le portier est bien présent, il a le bon geste. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Dans la surface de réparation. Ibrahimovic. Nous avons presque atteint les 30 minutes de jeu. Et Cambiasso. Maxwell. Bien défendu, le ballon est récupéré. Maxwell. Il peut marquer. La cible. C'est très loin du poteau droit. Je pense que c'est un peu précipité. Il avait le temps de tout faire. C'est vrai que d'en haut, nous, on a le temps de voir les choses. L'entraîneur procède au premier remplacement de la partie. C'est vrai qu'il n'était pas dans un grand jour aujourd'hui. Ce remplacement me paraît normal. 30 minutes à l'horloge dans la première mi-temps. La balle change de propriétaire. Va-t-il frapper ? Il prend sa chance. C'est pas cadré, mais c'est pas si mal. Je ne sais pas si c'est une erreur technique, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais en général, elle se jarre de face à face. Le buteur, il marque à tous les coups. Il reprend le ballon maintenant. Le dernier face à face. Tire médiocre, le ballon est trop à droite. Oh, c'est terrible, il avait fait le plus difficile et il a manqué le plus facile. Très belle ouverture. C'est une frappe. C'est pas idiot de conserver le ballon en milieu de terrain. Ça allège vraiment le travail des défenseurs. Bien joué. Il prend sa chance. Le gardien a dévié la balle. Corner. Un bon ballon au premier poteau. Touche. Il a dégagé. Il l'emporte dans ses duels aériens.
Maxwell. Va-t-il la mettre au fond des filets ? Bonne maîtrise du goal. Samuel. Javier Zanetti. Tactiquement, sa joie c'est bien, mais maintenant l'essentiel c'est de marquer un but. Ils n'ont pas souvent le ballon, mais ils circulent bien, ça peut suffire pour marquer un but. C'est net et sans bavure. Quel défenseur! C'est mal joué de la part de la... Incroyable! Le gardien n'a rien pu faire. C'est tout simplement magnifique. Ça c'est le but typique de l'attaquant. Efficacité et sens du but. Arrivé de la race des snipers. C'est donc sa deuxième réalisation personnelle. Les défenseurs en face ne savent pas comment le prendre. C'est un super score, mais il peut se passer plein de choses. Encaisser un but alors qu'on a deux buts d'avance, c'est toujours problématique. Il y a toujours de l'anxiété qui arrive, il y a toujours du doute. Maintenant, il va falloir qu'ils se resserrent les coudes et qu'ils rétablissent leur avantage le plus tôt possible. Oh, ça va vite! Le joueur frappe! Belle tentative, mais c'est hors du cadre. Et heureusement que ce face-à-face ne s'est pas terminé par un but, parce que le gardien il aurait eu deux mots à dire à sa défense. C'est le défenseur qui a le dernier mot. Maxwell. Ibrahimovic. Eh bien, le défenseur a le ballon maintenant. On est parti pour un drôle de compte. Il va sûrement marquer. Il fallait la boxer des points. Ça va peut-être rentrer. Un tout petit peu trop haut. Et il avait 90 minutes pour ajuster son tir. Ça va être dur de lui trouver une excuse. Quarantième minute de jeu et il ne mène que d'un but. Ibrahimovic. Javier Zanetti. Bien joué. Ils peuvent construire quelque chose. La défense doit encore faire attention car il y a corner. C'est un ballon fouetté vers le but. Ce contre peut être redoutable. Voilà, une occasion en or. Il tente. Oui! Oh, superbe! Superbe, désormais, ils ont deux buts d'avance. C'est vraiment pour voir ce genre d'action et de but que l'on se déplace dans les stades. Là, tu ne demandes pas qu'on te rembourse le billet à la fin. Deux buts au cours de cette compétition, c'est vraiment bien. On est en train de découvrir ce joueur. Et franchement, il y a plein de trucs à voir aujourd'hui. Ibrahimovic, qui a pour le moment deux buts à son actif.
Bien joué. Nouvelle occasion de centrer. Tout le stade a retenu son souffle. On a vraiment senti ce qu'il voulait faire. Hein. Il avait la force, mais il n'avait quand même pas la précision. Encore une belle occasion. C'est chaud pour le gardien. Quelle frappe! Le gardien a le jeu en main. Une minute d'arrêt de jeu indique le tableau. Ils peuvent construire quelque chose. Du pied, dégagement sûr. C'est chaud bouillant. Ce n'est pas fini. Ouais, au fond des filets. Oh, qu'ils sont en forme ces attaquants. Je connais des défenseurs bien malheureux aujourd'hui. Et à mon avis, si le gardien attend tranquillement que le ballon arrive, il ne vaut mieux pas le faire avec ce genre de joueur. Au moins maintenant, il le sait. Ça ne m'étonne pas. Il n'avait qu'une idée en tête. C'était réaliser un hat-trick. Bien joué de la part du défenseur. C'est déjà la pause. Je n'ai pas vu le temps passer. Désormais, les entraîneurs entrent en action. Les intentions sont claires et nettes dans ce match. Ça parle partout. Quitte à laisser des trous derrière, ils prennent des risques pour marquer des buts. 6-3 à l'issue de la première mi-temps. Quel sera le score en fin de match? On peut vraiment se le demander. C'est reparti et attention à la concentration, il faut être vigilant en sortant des vestiaires. Le ballon a franchi la ligne. Figo. Cambiasso. Quelle occasion en or! Pour un rien à côté! Et là, le gardien, il est en train de bouger ses défenseurs, il a raison. Hein. Si on lui laisse de l'espace, il va frapper tout le long du match. Duel remporté par le défenseur. Maxwell. Belle combinaison. Et le goal le laisse tomber. Ballon perdu par la défense. Bonne interception, on peut relancer. Encore une occasion de centrer. Et le pressing, ça paye. La touche est bien placée. Ils sont devenus fous, ils marquent dans leur but. Ça, c'est le genre de but qu'on ne peut pas revoir au ralenti. Bien
Bien défendu, le ballon est récupéré. Et Cambiasso. Figo. Il a vraiment une super couverture de balle. Il s'infiltre dans la surface adverse. C'est rugueux, mais dans les règles. Super claquette du gardien. Le gardien peut pousser un ouf de soulagement, mais heureusement, il n'y avait pas de buteur pour mettre la balle au fond. Il entre balle au pied dans les 16 mètres. Ibrahimovic, c'est presque cadré. Quelle frappe! Il n'y a même pas la place pour passer une allumette. Bien sauvé par le gardien et bien joué de la part du défenseur qui écarte le danger. L'attaque est stoppée, ça donnera rien. Chez vous. Cambiasso. Ils ont toujours le ballon, c'est bien. Ça, c'est vraiment du bon boulot. Et la frappe part complètement à gauche du poteau. Pourquoi pas tirer? Personne ne l'attaque. En général, on ne t'attaque pas, tu peux avancer, mais là, c'était bien de frapper. Nouvelle occasion de centrer. Oh, ça va vite. Lui au moins il tente. Frappe puissante mais sans précision. Et à force de faire des grilles au lieu de tirer, à mon avis l'entraîneur il va commencer à le rappeler sur le banc. Ibrahimovic. Cambiasso. Encore une occasion de centrer. Oh, que ça peut être dangereux sur ce coup. Le dernier face à face. Dégagement des points, corner. Non loin du premier poteau. Il faut qu'il marque ici. Un nouvel essai. But. Et si les comptes sont bons, ça fait 3 buts d'écart. C'est vraiment très bien joué. Et c'est pas un pied gauche qu'il a, mais c'est une main. Il fait ce qu'il veut avec. À ça, la défense, c'est un sacré art. Hein. Il donne le ballon au portier. Attention à cette mise en... Quel sang-froid! Quel sang-froid sur ce but!
Franchement, ce joueur a beaucoup, beaucoup de talent. Et ça m'étonnerait qu'il ait fait esprit de marquer en voulant taper le poteau droit. Hein. Dans tous les cas, il y a but. On ira quand même Christian nous demander à la fin du match. Quel joueur! Il est vraiment en super forme. L'entraîneur peut vraiment compter sur un gars performant. Figo. Bien joué, il conserve le ballon. Bon retournement de situation, il a le ballon. Nouvelle occasion de centrer. Mais où est la défense? Ouais, au fond des filets. Oh, qu'ils sont en forme ces attaquants. Je connais des défenseurs bien malheureux aujourd'hui. Quel but incroyable. J'ai vraiment l'impression qu'il est tout seul sur le terrain. On va donner un ballon aux autres joueurs. Un hat-trick, c'était déjà merveilleux. Mais alors, 4 buts, c'est vraiment le Pérou. Maxwell. Ils font preuve de patience, le ballon circule bien. Il essaie à nouveau. On joue déjà depuis 15 minutes dans la seconde période. Figo. Est-ce qu'il peut frapper? Au second, il me semble bien mené. C'est presque gagné. Ah non, le poteau! Pas de problème pour le gardien. Maxwell. Et Cambiasso. Figo. C'est du beau travail, c'est bien pour garder le ballon. Pour Ibrahimovic. Cambiasso. Ses partenaires sont prêts à recevoir le ballon. Il décoche une frappe. Il va sûrement marquer. Tire du droit, mais il en faut plus pour battre le gardien. Pour Javier Zanetti. Pour Ibrahimovic. Maxwell. Il lui a chipé le ballon. Samuel. Le gardien a bien vu que le ballon passait à droite. À mon avis, sur ce coup-là, il va y avoir explication entre le gardien et les défenseurs. Si tu laisses jouer un joueur comme ça et te le laisses frapper, heureusement qu'il n'a pas cadré. Pour Ibrahimovic. Allez, il y est presque. Cambiasso. Ballon touché par le défenseur. Il l'envoie au milieu de la surface. Le danger n'est pas écarté. Bien donné. Écarté de la tête. Bien joué, ça peut faire un contre.
C'est bien de partir en contre. Il ne peut que marquer. Pas mal, mais ça manque de précision. Et comment il peut avoir raté ça? Il avait fait le plus difficile. Ah, je crois qu'il peut s'en prendre qu'à ses pieds maintenant. Hey, Ibrahimovic. Pour Cambiasso. Hey, Figo. On assiste à des séquences de jeu absolument magnifiques. Ça va peut-être finir par rentrer. Pour Javier Zanetti. Samuel. Il y a trop d'effet dans ce ballon. Et dans ce genre de centre, fort devant le but comme ça, il manque toujours un rien pour le mettre au fond. Il aurait fallu qu'il chausse d'une pointure de plus et c'était bon. Au niveau du jeu, c'est un vrai régal. Le ballon circule vite, les joueurs sont en place. En face, ils vont commencer à souffrir. Cambiasso. Le gardien est en danger. Et but ! Cet avantage maintenant est quand même considérable. C'est étonnant, il avait tout le temps de capter ce ballon et il le relâche juste devant un attaquant qui n'a plus qu'à la mettre au fond. Il réalise vraiment un super tournoi. Il a marqué 4 buts. Imaginez la joie de l'entraîneur. Bien joué ici. Superbe défense ici. Au-dessus de la défense. Il essaie d'y arriver. C'est encore hors du cadre, il faut s'appliquer. Oh là, la défense, elle était quand même un petit peu endormie sur le coup. Ils l'ont laissé décocher son tir, ils l'ont laissé un petit peu faire. C'est dommage qu'il n'ait pas mieux cadré quand même. Il y a du but en l'air. Quelle frappe! Il peut marquer un but. Oui, il voulait dégager le premier. Presque 75 minutes écoulées. Figo. Super 1-2. Il est rentré dans la surface. Pas loin du cadre, mais c'est raté. Il a bien senti pourtant ce qu'il fallait faire. Dommage qu'il ait manqué le cadre dans la finition. Il a même manqué le stade. C'est une véritable passadice, un cours de football. Les défenseurs sont totalement désemparés. Le ballon est encore en jeu. Tire du droit, mais il en faut plus pour battre le gardien. Long ballon aérien. Nous avons atteint les 15 dernières minutes de la rencontre. Le ballon subtilisé par l'adversaire. Ibrahimovic. Ça rentre pas, pourtant c'était un beau tir. Et là, le gardien, il est en train de bouger ses défenseurs. Il a raison, hein. Si on lui laisse de l'espace, il va frapper tout le long du match.
Encore une belle occasion. Lui au moins il tente. C'est la panique totale dans les cages. Mais les défenseurs sont venus à la rescousse de leur gardien. Encore une occasion de centrer. Il lâche une frappe. La menace est écartée. Figo. Il y a des ballons qu'il ne faut pas perdre. C'est dégagé. C'est terrible. L'entraîneur est impuissant. Son équipe s'est bien battue, mais en face, ils sont vraiment beaucoup plus forts. Ils n'ont toujours pas perdu le ballon. La situation est bien contrôlée. Attention, énorme danger. Dégagé par le défenseur. Il doit trouver une solution. Il décoche un tir. Le portier détourne un corner. Il joue au premier poteau. Encore une belle occasion. Que va-t-il faire? Il écarte le ballon des points. On appelle ça l'esprit d'équipe. Première intervention du gardien et le défenseur qui dégage. Ibrahimovic. Il lui a piqué le ballon. Le ballon est attrapé par le gardien. Bien joué de la part de la défense. Malgré la charge de l'adversaire, il tient debout. Il doit trouver une solution. Quelle frappe! C'est une super occasion. Oui, encore un but. Voilà, c'est un festival d'occasions et de ballons qui terminent au fond du filet. Quel plaisir! À mon avis, si le gardien attend tranquillement que le ballon arrive, il ne vaut mieux pas le faire avec ce genre de joueur. Au moins maintenant, il le sait. Quel virtuose! 5 buts! Le spectacle est exceptionnel. Tout ce qu'il touche se transforme en but. Encore 5 minutes de jeu. Hey, Ibrahimovic. Bon ballon. Il peut surprendre et marquer. Le gardien a dévié la balle, corner. L'entraîneur procède au deuxième changement. C'est simplement un petit changement tactique car il sent que son équipe en a besoin en ce moment. Ballon travaillé vers la cage.
Nouvelle occasion de centrer. Et Javier Zanetti. Ils font preuve de patience. Le ballon circule bien. Les défenseurs sont baladés. C'est beaucoup trop téléphoné. Le contre peut faire mal. Une autre chance. C'est beaucoup trop dévissé à gauche. Oh là là, il s'était piqué le ballon. Sortie du gardien qui s'empare du ballon. Le ballon est attrapé par le gardien. C'est une belle marque de confiance. On se contente de faire tourner le ballon derrière avec un certain talent. Quelle bourde de la défense. Ballon repoussé des points, corner. C'est un ballon fouetté vers le but. Et c'est dedans. Oh, bien joué. Et quelle belle image de joueur. Vous avez vu ce but de la tête. Il a gardé les yeux fixés sur le ballon. Il savait exactement où il allait le mettre. C'est son hat-trick. 3 buts au cours du même match. Bravo. À mon avis, il peut garder le ballon. Encore une occasion de centrer. Il peut frapper. Quelle frappe. C'est à quelques mètres du poteau droit. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. Balle au pied, ils peuvent continuer leur montée. Le joueur frappe. Le danger est écarté. C'est terminé, c'est l'heure de regagner les vestiaires. C'était inespéré avant le match. Ils sont vraiment dans une très bonne position. Gagner à l'extérieur, c'est vraiment bien.